le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le guide spirituel de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, le ministère de la compassion des âmes, basé en Côte d'Ivoire, précisément Divo. Nous sommes ici au Maroc, nous avons fait un voyage avec le staff, afin de préparer la Pentecôte, faire la Pentecôte ici avec les gens de la diaspora. Merci pour ceux qui sont déjà en route, qui nous ont appelés pour la confirmation, qui seront là à partir de demain, parce que c'est le week-end. Moi, je suis arrivé justement hier à Casa, j'ai continué directement à Rabat, où il y a les cérémonies. Ici, c'est Rabat. Nous sommes dans une salle qui appartient à l'église du pasteur. Daniel. Voilà. Donc, c'est ici qui va s'abriter, n'est-ce pas, nos cérémonies. Notre rencontre, en fait, de pouvoir amener les gens à comprendre véritablement ce qui est Jésus, ça c'est important. Et que Jésus qui nous prêchons, il est aussi esprit de vérité, ça c'est important. Nous permettre aux gens de pouvoir être aidés. Parce que vous savez que ce que je vais donner comme révélation, Dieu nous a amenés à comprendre qu'il faudrait que l'Afrique soit délivrée. L'Afrique soit délivrée de toute une prison satanique qu'on a fait la sorcellerie. Mais vous savez qu'à partir du nord, tout se passe à partir du nord. Ni en Côte d'Ivoire. Nous, notre rébellion, c'était monté au niveau du nord. Tout ce qui vient du nord est très dangereux. Donc, c'est l'Afrique du Nord, le Maroc. Il faudrait que le Maroc soit, n'est-ce pas, maîtrisé. En fait, le nord de l'Afrique soit maîtrisé. C'est ça, les portes du nord soient maîtrisées, afin que le développement réel, n'est-ce pas, soit vraiment apporté au niveau de l'Afrique. Nous sommes ici dans le nord de l'Afrique, parce que pour moi, je suis très panafricain. Ça, je l'explique, je suis très panafricain. Je suis porté un peu sur l'évangélisation au niveau de l'Afrique, sur le réveil de l'Afrique. L'Afrique doit apporter beaucoup de choses sur le plan mondial. C'est pour cela que nos frères qui sont dans la diaspora, en Europe, sur le continent américain, c'est vrai, ils sont allés avec de grandes connaissances en matière intellectuelle, de grandes connaissances. Mais ils ne peuvent pas venir à l'Afrique, ici, l'Afrique, sur le continent africain, parce qu'il y a une présence qui les effraie, la sorcellerie, et deuxièmement, parce qu'ils ont été eux-mêmes détruits par l'effet de la sorcellerie. Donc il faudrait que nous puissions aider ces personnes à revenir. C'est ça notre combat que nous menons, c'est de permettre à la diaspora de venir, chacun à son ministère. Nous préparons le retour, les gars de la diaspora. Nous préparons leur retour sur tous les plans, parce que tout se passe d'abord sur le plan spirituel, afin d'aider la diaspora. Nous sommes déjà au Maroc, c'est confirmé. Aujourd'hui, c'est la date du jeudi 21 mai 2015. Nous sommes pratiquement 18h. Ici, ça fait 19h, ça fait 1h. Ici, c'est 19h. De 19h, il est 21. Oui, le 21. Aujourd'hui, c'est le 21 mai. 21 mai 2015. Le 21 mai, jeudi 21 mai 2015. Donc, nous mobilisons les gens. Désormais, ça sera maintenant comme ça, désormais, au niveau du Maroc. Chaque mois, nous serons là au niveau du Maroc. Voilà, pour sensibiliser les gens, avoir des rencontres avec les gens, prier avec eux. C'est vrai que le centre de Divo demeurera le centre de Divo. Nous serons aussi constamment ici au Maroc dans le but de pouvoir aider les gens, parce que ça c'est important. Non seulement ça pour permettre aux gens qui font des traversées pour aller en Europe pensant que c'est là-bas le Dorado. Il faut aussi les aider, parce que les gens meurent beaucoup dans les eaux ici. Le diable détruit ici beaucoup de personnes. Il faut arrêter ces crimes. Donc, j'ai un travail qui est en train de se faire. Mais pour dire que c'est confirmé, demain commence le programme dans cette salle. Nous avons démarré le programme dans cette salle, puis le samedi également, le samedi. Et dimanche, on aura des projections de films sur nos ministères ici. On aura prié pour des gens ou que Dieu aura restauré et tout ça. Voici Diélo. Diélo, c'est en même temps, ils m'ont dit, lui, il avait dit, moi, ça fait Diélo. Voilà, l'erreur, c'est la chose que je sens, c'est le E, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, c'est le E. Gyoro, moi, il m'appelle Gyoro. Gyoro, ça veut dire chance en métier. Voilà, donc, on est en France, on est frontière. Ils sont Tita, on est sur voilà. Voilà, voici Balo, le musicien. Donc, demain, on aura la bonne musique ici, par la grâce de Dieu, on aura chanté la rosie, beaucoup de chansons et tout ça. Donc, c'est fait prêt. Nous sommes à une réunion technique, nous venons de finir la réunion technique. Demain, les démons seront écrasés et Dieu restaurera ta vie. Et c'est ce qui est important, il apportera quelque chose à ta vie, afin que tout ce qui a été volé par Satan, à les sortir, tu dois restituer. Il faut que le diable te restitue ça. Donc déjà, c'est confirmé. Vous qui suivez cette vidéo, c'est confirmé. Nous démarrons un programme demain soir. Dans la matinée, déjà, c'est l'accueil. Nous allons recevoir des gens, en même temps l'accueil de ceux qui arrivent. Parce qu'on a une forte délégation qui arrive ce soir.
On a aussi des personnes qui arriveront demain. Demain soir, on commence un grand programme. Et samedi également, dimanche, on aura déjà fini parce que c'est la Pentecôte. Et dimanche soir, nous autres, nous allons prendre le vol pour retourner. Et on aura l'occasion de revenir encore plus tard, afin de pouvoir organiser des bonnes choses. Je vous dis, c'est fin prêt. Nous sommes au Maroc, nous sommes à Rabat. C'est dans cette salle qu'aura lieu le programme. Tu donnes ton numéro. Voici le frère Yaro, celui qui est responsable. C'est 00212 64 61 48 92. Je reprends 00212 64 81 48 92. Nous sommes à Rabat. Okay. Merci. Voilà, donc ici la chair, voilà, c'est ici. Voilà la chair ici. Allô, c'est la chair. Cette chair. Voilà, donc c'est cette salle là. Demain cette salle. La Bible déclare que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est apparu en fait et détruit les œufs du diable. Nous allons écraser les démons qui sont depuis fort longtemps installés dans ta vie, qui se sont installés dans ta vie et qui t'empêchent d'avoir de l'argent sur le continent européen, qui t'empêchent d'avoir des biens. Demain, viens ce programme, demain, ici à Rabat, au Maroc, Dieu aura quelque chose à faire. Je vous assure, je disais aux gens, il y a une forte tension que Dieu a déployée sur ma vie pour le miracle que tu as au niveau du cancer, tu as l'insuffisance rénale, tu as une maladie quelconque, ne rate pas le programme de demain. Satan va te lâcher, la maladie n'aura plus raison sur ta vie, le diable n'aura plus raison sur ta vie, Jésus-Christ va apporter quelque chose à ta vie. Shalom et que Dieu vous bénisse.